Eh bien, salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car c'est le dernier épisode du Pro Team abonné sur le Tour de France 2015. Donc il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui, juste voilà, on va s'arrêter sur ce classement, on n'ira pas plus loin pour ce Pro Team abonné. Tout simplement parce que je n'ai plus l'envie de jouer sur TDF 2015. Maintenant, on va dire qu'entre guillemets, les nouveautés du TDF 2016 qui ont été annoncées il y a quelques jours par Cyanide, moi un petit peu, moi un petit peu démotivé à tourner sur du TDF parce que maintenant je suis un peu en mode impatient de TDF 16 et maintenant que je sais toutes les améliorations qu'il y a, qu'il y aura dans le prochain opus, j'ai plus envie de jouer à ce jeu. Du coup, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que on va terminer d'ici la fin du Giro, on aura fini objectif platine, donc on finira les deux dernières vidéos pour le dernier Tour de France. J'ai aussi le TDF avec la loto à finir. Ah merde, j'avais complètement zappé. Je verrai ce que je fais, si jamais j'arrête ou pas la loto soudal. On verra. Mais voilà, comprenez-moi, après plus d'un an, après quasiment un tout petit peu moins d'un an, quasiment un an, hein, de jeu sur le TDF 2015, j'ai plus l'envie, il faut me comprendre. Peut-être que vous, ça va vous paraître con derrière votre écran, mais vous n'avez pas joué tous les jours au jeu. Moi, depuis que j'ai ma chaîne, je tourne à une vidéo TDF par jour, ce qui est beaucoup. Bon, il y a eu quelques temps morts, mais entre parenthèses, c'est quasiment que ça, TDF par jour. Donc je n'ai plus l'envie de jouer à ce jeu, c'est pour ça que je décide d'arrêter de Pro Team abonné. Bon, on aura quand même fait une saison entière, plus un Dauphiné et un Critérium International, donc on aura quand même, ça aura quand même été une belle série où je vous ai fait participer, donc c'est plutôt pas mal. Après, dites-moi dans les commentaires pour le TDF Lotto Soudal, sachant que j'ai pas très l'envie de le finir. Clairement, je vous le dis, j'ai pas envie de le finir, le TDF avec la Lotto Soudal, mais dites-moi si vous avez quand même envie de voir la fin. Je verrai ce que je fais. Dans les prochains jours, on va terminer objectif platine. Et ensuite, on terminera les youtubeurs à l'assaut des grands tours. Sauf qu'on fera pas la Vuelta, on s'arrêtera à la fin du Tour de France. Voilà, je vous le dis, c'est clair. On s'arrêtera à la fin du Tour de France. Et ensuite, je pense que quand on aura fini tout ça, je pense qu'il nous restera une petite semaine avant la sortie de TDF 2016. Franchement, je pense que je ferai une petite pause. Voilà, je pense que je suis clair, c'est la première fois que je vous dis ça, mais je pense que je ferai une petite pause d'une semaine, juste pour me remotiver jusqu'à la sortie du jeu. Enfin, la sortie, c'est le 16, mais moi, je l'aurai vers le 10. Donc, on va dire vers le 3-4, je ferai une petite pause. Ou dans la semaine, peut-être que cette semaine-là, je vous mettrai une vidéo FIFA, une vidéo GTA. Je verrai. Petite pause, en tout cas, de vidéo vélo. Pour un petit peu me ressourcer et repartir de plus belle pour TDF 2016. En tout cas, j'espère que vous me comprenez sur ce point-là. Dites-moi pour le TDF Lotto Soudal. Je suis vraiment désolé, mais moi, j'en peux plus. Je peux plus. Et je préfère arrêter que de me forcer. Tout simplement. Parce que si je me... Imaginez, je me force à terminer ça. Je me force à terminer le TDF Lotto Soudal. Je vais me forcer, on va terminer tout ça juste la veille de la découverte de TDF 2016. Et je me serais tellement forcé que j'aurais même pas l'envie de jouer sur TDF 2016. Enfin, de jouer si, mais pas de filmer. Donc je préfère m'arrêter là. À la fin du Giro, on terminera les séries. Quand ces séries-là seront finies, on fera une petite semaine de pause de vélo pour repartir de plus belle sur TDF 2016. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Je suis vraiment désolé du fond du cœur. Je préfère faire ça que de me forcer, les gars. En tout cas, n'hésitez pas quand même à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.